Dans le lit, dans le dos, dans mon lit, dans le lit en bas, le matin en bas, tu veux? Allez. Alors, ma sœur est Tragiga, et l'unismat, et l'unam, ma sœur est Mohamed Ben Saloum. Date d'Ain Amoud Rishon, première ligne. Maïdarash, donc on avait fini juste avant. On avait dit à la bière, qui va à la Béchalom, vers la Béchalom. Il est monté, le Hachem en paix. Il est redescendu en paix. Même Rabbi Akiva, dans le ciel, on a voulu le pousser, le repousser. D'accord? Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a une protection spéciale. Akadosh Baruch Hu lui a dit, il a dit au Malachim, laissez-le tranquille, celui-là, Raoui, et Ishtamesh Birvodi. Ok. Demande à Gmara, Maïdarash. C'est quoi cette question, Maïdarash? Qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a été Doresh? Alors, la suite donne deux pirouchim. Je vais choisir le pirouche le plus simple, le premier qui donne. La Gemara, elle pose la question. Me'echan evin makom ashkina shenizar shelo isisha. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il sache vers où se trouve l'endroit de la shkina pour ne pas poser ses yeux là-bas et donc pour ne pas mourir? D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait montrer dans le ciel? Qu'est-ce qu'il a compris des psukim pour qu'il comprenne que dans certains endroits, il ne doit pas poser ses yeux? Il a vu une chose que tout le monde a vu. Ah, Acher, il a vu Matatron Nassi. C'est une chose. Moi, je n'ai pas parlé de Acher, là. Tu vois, j'ai fait attention. C'est le deuxième pélo de Rashi qui dit Acher. Ah, mais c'est Benzoma. Le premier pélo de Rashi ne parle pas de Acher. C'est Benzoma. Donc, le premier pour Ben Azaï, ici, Oumet, Benzoma, ici c'est Nivga. Et l'autre? Et 6, il a vu. Nivga, il a été perturbé. Il est devenu fou. Et Ben Azaï. Et ici, Oumet, il a vu la Shkina, il est mort. D'accord? Donc, la Gemara serait liée à ça. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a fait en sorte pour être protégé, on va dire, de ces accidents-là? Alors, la Gemara, elle dit Amar Rabba Barhanan, Rabbi Yohanan. Le mot Ve'ata, on est doresh auto, comme la chanson Hot. Hot ou Birvava Shelo. Akadosh Baruch Hu, c'est un Hot, c'est un signe, il se distingue de tout son sa Revava. Revava, c'est une armée de 10 000 malachim. Revava veut dire 10 000. D'abord, on parle des malachim. Akadosh Baruch Hu, parmi tous les malachim, il est différent. Donc, quand Rabbi Akiva va voir quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'il a vu jusqu'à présent, il va dire là-bas, il ne faut pas que je regarde. D'accord. Rabbi Abba Omar, Rabbi Abba, il donne un autre dracha. Dagul Mervava.
Dogma hi birvava shelo. La même chose, c'est dans le même cave. Akadosh Baruch Hu, c'est une dogma. D'accord, comme tu dis, un échantillon, quelque chose qui est, comme il dit Rashi. Aïe, Baruch Abba. Il nous a ramené, il est parti. Mais tu as eu quelque chose ou tu n'as rien eu, toi? Ah, tu t'es fatigué? Tu t'es un petit fatigué? J'avais le Covid. Ah? J'avais le Covid. Non, mais ah, t'as fait le Covid, là. Ouais. Bon, d'ailleurs. Tu n'avais pas fait des doses, de, non? Hein? Quand même bien que tu as fait les doses. J'ai fait deux doses. Et quand même. Après 6 mois. Mais on me disait tout à l'heure, il faut que je la refasse. Il faut que je la refasse. Alors, dit la Gemara, Ot ou ben Rava Shelo. Rabbi Abba Omar, d'accord, mais Rava. Rashi dit, d'avoir Heker à Omer le Dugma, le Har Oto. L'Omar Kazé à Sali. Venze et là, d'avoir Amikar. Donc, encore, c'est dans le même contexte. Dogma, ça veut dire que c'est quelque chose qui est particulier. D'accord? Comme tu dis un échantillon, c'est particulier par rapport au reste. La même chose, c'est quelque chose de particulier par rapport au reste. Quand je dis Akhadaj Boukou, je ne parle pas de lui-même, hein, la Shrina, ce qui émane de lui. D'accord? Parce que ça n'existe pas. Il y a Rabbi Abba ou Amar, Dagoum Bebaba. Dogma ou Bebaba Shelo. Il y a Shaki Shamar, Hashem Sevaot Shemo. Adonu bisva shelo. Là, Marcel explique que le limoud, c'est. Tu aurais dû dire Hashem Sevaot Hu. D'accord? Alors, Adonu, c'est un patron. Basseva shelo, dans son armée. Le Rabbi Haya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, il rapporte un autre pasouk. Lo beruah Hashem. Hashem ne se trouve pas dans le roi. Après le roi, après le vent, il y a un bruit. Hashem ne se trouve pas dans le rage. Après le bruit, il y a le feu. Hashem ne se trouve pas dans le feu. Après le feu, il y a un son, un son sourd littéralement, un son fin autrement dit. Un son très fin. Oui, Hashem en vert. Et voilà, Hachem passe à ce moment-là. Donc, Rabbi Akiva savait, on dirait là-bas, il est dans le. En la montagne lyonnaise, il y a du bruit. D'accord? Quand il va voir, il y a un son fa, là, il fermera les yeux et il ne va pas voir ce qui se passe. Quoi? Tano Rabbanan. On a fini la sugya de l'Isha, on a fini la sugya de Albani Khnasoula Pardes. La Gemara continue. Tano Rabbanan, Shisha Devarim, Nemru Bashedim, Shosha Kemalaché, Hashret, Shosha Kebne Adam. 6 choses ont été dites au sujet des shedim, des démons. Ils ont 3 points communs avec les malachim et 3 avec les hommes. 3 comme les malachim, yeshlem, knafaim, kemalachim, asharet, ils ont des ailes comme les anges. Ils voyagent du bout du monde à l'autre bout. D'accord? Dépêche toutes. Marcel écrit d'une manière, mais moi je pense qu'il faut autrement. Mais ça, par là, ça veut dire qu'ils peuvent voyager de l'hémisphère nord en hémisphère sud en un bond. D'accord, très rapidement. Pas comme... C'est aussi un rab qui fait ça, non? Les malachim, comme on a dit, Massar et Brachot. Un rab aussi, on n'a pas vu des tzadikim qui peuvent faire ça. On n'a pas vu des tzadikim. Tu me rappelles. Et on parle d'oiseaux. Alors, si on parlait des oiseaux. En haut, je t'ai dit, ils ont des ailes. Mais oui, mais ils ont des ailes. Un oiseau, ça va, ça se fatigue. Ça ne va pas du bout du monde à l'autre bout. Eux, même en 2, 3, 4 bonds, ils arrivent directement de l'autre côté du monde. D'accord? C'est ça la maraliuta qu'ils ont. Yeshlaem, knafaim, kemalach hasharet. Tassini, safa, olam, vatsofo, kemalach hasharet. Veyodain, mashaati, liyot, kemalach hasharet. Ils connaissent le futur. Comme les malachis. Le monde, la maraliuta, c'est le kadata. Quoi, tu crois vraiment qu'ils connaissent le futur? Et là, quoi, même les malachim ne connaissent pas le futur. Personne ne connaît le futur. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu sait? Non, voilà la Gemara pose la question. L'histoire de l'Ishmaël, par exemple. De? L'Ishmaël, par exemple.
Ouais, c'est-à-dire quand on a Misha Hachid, ses descendants. Ouais, mais ça, d'accord, ça veut dire, c'est possible, tu vois, c'est ma question, c'est possible que ça, ils l'ont entendu, mais Mehola Palgot. Parce que là, ici, on va dire qu'ils entendent Mehola Palgot, mais c'est tout, ils ne connaissent pas eux. Ils entendent. Connaître, ils ne connaissent pas, entendre, ils écoutent. Comme ça, ils ont vagabond. Et là, Shomaïn Mehola Palgot, que Malaché Hachere. Quoi? Ils entendent de ce qui se trouve de l'autre côté du rideau en haut dans le ciel, d'accord, comme les malachim Hachelet entendent. Oshosha kibne Adam, maintenant les trois points communs qu'ils ont avec l'homme, c'est quoi? Ochlim et Shotim kibne Adam, ils mangent et boivent comme les hommes, les chédis mangent. Parin et Ravin kibne Adam, d'accord, ils se multiplient aussi comme les hommes. Ometim kibne Adam, et ils meurent aussi comme les hommes. Assois l'homme. L'homme, il a six caractéristiques. Trois points communs avec le malach et trois avec l'animal. Ils ont une intelligence. Comme les malachim. Le malachim commence koufa et il marche droit. D'accord, il marche droit comme les malachim. Et il parle de la Shona Kodesh qui malachia Hachet. Le marcha, la kavana, c'est l'avdavka. Il parle de la Shona Kodesh. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Shona Kodesh. Il parle. Mais les malachim, c'est la Shona Kodesh. Pourquoi on a dit la Shona Kodesh? Les malachim ne connaissent pas une autre langue. Comme ça, Marcha explique. D'autres qui expliquent que c'est quoi il parle qui malachia Hachet. On parle quand ils font la kdusha. Kadosh, 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 Hachem, Hachem, un autre pirouche. Ok? Shlosha kebema, trois points communs. L'homme, il a avec l'animal. Il mange, il boit comme les animaux. Il se multiplie comme les animaux. Et ils font sortir aussi des déchets. Ils font leurs besoins comme les animaux. Fin de la sugya. On avance. On a vu dans la Mishnah que tout celui qui voit quand la mistakel, les quatre choses qu'on a vues dans la Mishnah, il aurait été préférable qu'ils ne naissent pas. Ça vous rappelle des quatre choses ou pas? Mal et mal, mal et mata, mal et fini, mal et achor. D'accord? Les malas qu'il y a en haut, Mirashé Hayot. Les matas qu'il y a en bas du monde, le support du monde entier. On a déjà expliqué, Rashi ici explique la kawana, c'est les bras d'Hachem Kavirchol. D'accord? Mal et achor, c'est le futur. Ici, la Gemara explique le futur. Emma, l'ifnim, c'est le passé. D'accord? Alors, la Gemara va poser la question. Elle dit, je comprends. Bishtama, malemala, malemata, maleachor, lehaye. D'accord? Connaître en haut de la chair hayot, en bas, où tu parles de l'essence d'Hachem, plus ou moins, khatek. D'accord? Ne commence pas par réfléchir là-dessus. D'accord? Ça peut être perturbant. Donc, si tu fais, vaut mieux que tu sois peu créé. Mal et Ahor, la Gemara aussi, elle comprend, elle pense que vaut mieux ne pas y penser, parce que ça peut créer des contradictions dans ta tête à toi. Azor. Qu'est-ce qui reste? Mal ifnim. Et là, l'ifnim, ma de awa awa. La Gemara dit, mais ce qui s'est passé au passé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Tosfotoïde explique ici que peut-être c'est perturbant, vaut mieux ne pas savoir. Alors, il dit que même si c'est perturbant, comme c'est du passé, c'est pas comme le présent. Malemala, malemata, c'est du présent. Malehor, c'est dans le futur. L'homme, ça l'intéresse davantage. Donc, il va plus se mettre sa tête. Ça, non. Mais, l'ifnim, machikara, kara, il va un peu basé, comme on dit. Donc, il va pas mettre toute sa tête dedans. Donc, tu n'es pas trop un problème. Donc, c'est ça la question de la Gemara. Ah. Non, on ne parle pas d'Averot, on parle de l'existence passée. D'accord. Pourquoi c'est pas le l'odeur. Je ne sais pas. C'est avant Bérégide. Oui, avant Bérégide. Avant, mais c'est vrai, c'est ça la Pérouche. C'est ça la Pérouche, avant Bérégide. Oui. Ah. Pourquoi il y a un intérêt pour réfléchir? Je ne sais pas.
D'abord, je ne sais pas sur quel support il va travailler, c'est la première question. Ah, d'autant même qu'il y a un support. D'accord. Ok. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar de Avri Tarvayu, Mashal le Melech Basar Vadam, Shamal Avada ou Benouli Palterin du Dola à la Hashpa. Un roi, il a demandé de construire un palais, mais le seul endroit où on peut construire le palais, c'est sur une déchetterie. Est-ce que le roi veut qu'on mentionne les fondations de ce palais-là, qu'on parle ce qu'il y avait avant le palais? Il y avait une déchetterie ici. Il n'est pas content, il ne veut pas. Le roi, il ne veut pas. Ok, quel rapport avec Shimon? Je vous donne un pirouche. Macha, il explique d'une manière, je vous donne un autre pirouche. Qui est apporté aussi par le Farshim, c'est que avant de créer ce monde-là, il a détruit des autres mondes. Créer, détruit. Donc, on n'est pas intéressé de nous faire voir que ce monde-là, il est, son support, c'est les destructions des autres mondes. Ça serait ça la poubelle Kaviyachol. D'accord ? Donc, quelque part, il y a Mirout que votre Shamaïm. Donc, c'est pourquoi vaut mieux ne pas discuter là-dessus. Mais l'eau à la bouche, je veux dire. Ouais. Alors, on continue. Comme si l'on chasse avec votre cono, va tout l'eau chez l'eau à la hola. Tout celui qui fait pas attention à l'honneur de son créateur, il aurait été préférable qu'il ne vienne pas dans ce monde. Demande à Gemara, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maïhi, de quoi il s'agit? La Gemara demande de quoi il s'agit. La Gemara va proposer deux idées. Première réponse, Rabbi Abba Amar Zemishtaket Bekeshet. C'est celui qui voit l'arc-en-ciel. Il ne faut pas voir. Pourquoi? On verra. Rabbi Yosef Amar Zemishtaket Bekeshet. Ça veut dire que c'est celui qui fait une faute en cachette. Si tu fais bégalouille quelque part, les hommes et Hachem, c'est au même pied d'égalité. Et quand tu fais en cachette, c'est-à-dire que tu as peur des hommes et pas peur de Dieu. D'accord ? Mistakel Bekeshet Dirtiv, Agmal rapporte la source de la Biaba. Pourquoi ? Dirtiv, dans le passour de Yehezriel là-bas, les deux derniers psukim du Bel Rishon, là-bas, c'est marqué que l'Akadosh Baruch Hu, il apparaît. L'apparence du trône divin, c'est comme Mar'ea Keshet, l'apparence de l'arc-en-ciel. On ne comprend pas nous très bien c'est quoi le lien, mais en tout cas, c'est écrit comme ça. D'accord ? Quand Amarzea Over, pardon, Amistakel Bekeshet Yirtiv, Mar'ea Keshet Asheye Be'anan Be'yom Ageshen, comme l'apparence, c'est comme l'apparence de l'arc-en-ciel, Hachéye Be'anan, qu'il y a dans les nuages, Be'yom Ageshem, dans le jour de pluie, Ken Mare Anoga Saviv. Comme ça est aussi l'apparence de la lumière autour, ou Mare Zemut Kevod Hachem, c'est l'apparence du reflet de Kevod Hachem. Point. On voit que l'arc-en-ciel et Kevod Hachem, il y a un lien. Quand tu vois, tu oses voir l'arc-en-ciel, ben ça s'appelle que tu es en train de voir la Shrina. Mon ami, celui qui voit la Shrina, il meurt. Il ne faut pas voir. Ouais. Donc, c'est pourquoi Ratouy lo chez lo balaola. Rav Yosef Amar Zeha Over Avera Baseter. Maintenant, on revient chez Rav Yosef. C'est celui qui fait l'Avera Baseter. Qu'est-ce que Rabbi Ishaq? De Amar Rabbi Ishaq, qu'il a Over Avera Baseter, qu'il l'a dohek ragle Shrina. Tout celui qui fait une avera en cachette, c'est comme si qu'il repousse les pieds de la shrina. Shneemar, ko amar Hashem Hashemem ki siwa har sadom l'alai. Akadosh Baruch Hu, il dit, le ciel, c'est mon trône, et la terre, c'est là où je pose mes pieds. Maintenant, toi, Kaviyachol, tu fais une avera en cachette, tu es en train de dire, Hashem, il n'a pas ses pieds ici. Donc, tu es en train de pousser les pieds d'Hashem d'ici. Demande la Gemara, ça veut dire que celui qui fait une faute en cachette, ce n'est pas bien. Pourtant, si maintenant quelqu'un voit que le Yisrael va le gagner, alors il faut qu'il fasse des choses pour pouvoir
écraser le Selala. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans des endroits qu'on ne le connaît pas. Il va s'habiller en noir. D'accord? Bgadim, Shforim. D'accord? Il est le maqam chez Makinim Tov. Il va Shforim, Vitatev Shforim. S'il voit que toutefois le Israël il n'a pas réussi à le vaincre, ouais, il n'a pas vaincu cela, eh bien qu'il fasse à Avera. Vaut mieux qu'il la fasse dans un endroit, ouais, Bessinara quelque part, que Befaris. Donc on voit de cette manière là, d'accord, hein? Alors Chil explique parce que c'est pour casser son Israël là. À l'époque, on ne s'habillait pas en noir, enfin, que si on était triste. Ta mère ne te dit pas, toi, ne t'habille pas dans le noir. Non. Aujourd'hui, tout le monde est en noir. À l'époque, ce n'est pas comme ça. À l'époque, c'est des vêtements lin blanc. Et le noir et la mention. À l'époque, il y avait. À l'époque, c'est à Velout, c'est quand tu es aveugle que tu es noir. À l'époque, c'est la source et les juifs. Après, les goyim, ils auraient pas été recopiés. Parce que nous, ils nous ont dit. En deux, parce que les goyim ils ont que recopié. Et, mais là, c'est devenu Chokot Agoy. Après, est-ce que c'est un digne de Chokot Agoy? C'est pas sûr. D'accord. Mais en tout cas, voilà comment ça. À l'origine, c'était. On ne met pas de noir. On n'a pas l'habitude de mettre de noir. Blanc. Les habits de l'Aïchiva, c'est inventé. Ah les habits de l'Aïchiva, alors. De qui? L'Aïchiva. Ben oui, tu crois qu'à Djerba, ils avaient des pantalons noirs et des machins. Ils avaient le kibosh, c'est tout. Bah. Non, c'est aujourd'hui, ce que j'ai dit, aujourd'hui, tout le monde, c'est la vérité, le noir, c'est pratique. D'abord, il n'y a pas de... Ah, ouais, on ne voit pas que ça s'allait, en tout cas. C'est discret aussi. C'est discret, comment dire, c'est... Ça crée, il n'y a pas besoin de folklore. Le bonhomme, il n'a pas sa tête aux différents vêtements, aux différentes couleurs. On dit vêtements hein, noir et blanc, baiser ou uniforme, comme tu dis. Très bien. Alors, dit la Gemara, il est le maqam chez Makino, le tour, il bat, il met à terre sur les versets, comme Machi les Bochafes, ou Ali Halel, chez Mchamay Befales, pourvu qu'il ne profane pas chez le Jamaïl publiquement. Donc, tu vois bien que parfois, oui, il faut faire en cachette, ma. La cachette a des massiques à y effler les Israël, a des la massiques à y effler les Israël. On parle de deux cas différents. Alors, il rase à peine, il parle lorsqu'il n'arrive pas. Il a fait le nécessaire pour gagner son Israël, il n'a pas réussi. Bon, okay. À nous, presque. Ok, mal à la sorte. A fait en cachette, que tu que je dise. Par contre, ce que Rav Yosef dit, ce sur quoi la Mishnah fait référence, c'est quelqu'un qui peut être kofef tisro, ouais, et afalpiken ou rosé besina. D'accord? Sur celui-là, je parle et que je dis que alors tout le shelo nivra. Dara sabiuda berabi nachmani bitulga. Il peut être mat. Ah? Si on dit on parle du mat. Ah non, il faut voir. Pourquoi? Parce qu'il a voulu le faire. Il peut trouver une solution et il ne la veut pas. Non, parce qu'il veut la faire. Parce que c'est bon de la faire. Parce que c'est bon de la faire. Tu veux y avoir un morceau de viande pas caché. Bon, sors, va, sors d'ici, parce que tu vas craquer. Tu vas manger, tu vas craquer. Ouais, sors de cette pièce-là. Va, ouais. Non, j'ai le choix. Hein. Je peux sortir. Je décide. Non, parce que j'ai envie de la manger. De mon fils, il y a les arabes. Ça veut dire que directement, c'est les arabes qui disent. J'ai la solution pour. J'ai la solution pour, mais je ne veux pas cette solution-là. Si la solution, c'est ça, là-bas, la villa, tu as fait nécessaire, tu as fait ça, tu ne veux pas. Ok, tu as cherché la solution, tu n'arrives pas. Là, tu as la solution pour sortir et tu ne sors pas. Ça veut dire que j'ai envie de sauter. Ok, ça. C'est de ça qu'on parle. La tour de la chaîne du livre. Pour le faire, dans le téléphone, c'est pas les salariés qui lui disent, moi, tu vas le faire comme ça avant. Non, lui, ici, il va la faire. Oui. Lui, il ne peut pas, il n'arrive pas, il va la faire. On te dit, écoute, tu sais ce que tu fais, trouve des solutions. Fais des solutions, va par-ci, va par-là, mets-toi comme ça, toc, 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 pour essayer de. Ouais. C'est une possibilité. On lui dit, voilà, fais comme ça pour le faire, là, comme si on donnait une possibilité aux salariés de.
C'est où ça ou publiquement? Qu'est-ce qu'il fait? Ou devant tout le monde, devant des gens qui connaissent? Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça vaut rien. Ouais, on parle pas de ce cas-là. T'as raison. En tout cas, de cette malade, on voit qu'il y a des cas où le Sarah il est plus fort que toi. Ok? Ah, très bien. Les formules attaquent beaucoup. Dara, c'est Raviuda de Rabbi Nahmani. C'est ça, hein? Mais tout le gamin de l'Eshlakish. C'était tout le gamin de l'Eshlakish. Quand la mistake de Shalvarim, maintenant, ok, hop. Tout celui qui voit ces trois choses-là, ses yeux faiblissent. Pourquoi ces trois choses-là sont liées un petit peu? Kavirchol à la Shrina. Comme on ne peut pas voir la Shrina, et si tu vois la Shrina, on meurt, comme dit Marsha. Alors, quelqu'un qui voit la Shrina, il meurt. Lo yirani adam, wahai. Celui qui voit, c'est ce qu'on va dire maintenant, alors ses yeux vont s'affaiblir. Or, on sait, celui qui est aveugle, eh bien, Nershav Keilo met. D'accord? On y va. C'est quoi les choses? Quand la mistake de Shadvari Manal Kehot, Bereshet, l'arc-en-ciel, ou Benassi, celui qui voit le Nassi, ou Bekohanim. On va expliquer chacun des points. Bekesh, et dire que Maria Keshet, Ashaye, Behanan, Beyomageshem, ou Mared, des moutes qui vont lâcher. Keshet, on a déjà vu là-haut. D'accord? On a dit que le Keshet, c'est quelque part Mout qui voit lâcher. Donc, tu vois quelque part la Shrina, et donc, Aina ou Kehot. Benassi, dirti, venatata me autre à la. Au sujet du Nassi, c'est marqué, et tu, Moshe, Hachem, il a dit à Moshe, donne ta splendeur, autre à Yehoshua. Et après, c'est marqué dans le passage, afin qu'il puisse écouter. Pourquoi tu as dit afin qu'il puisse voir, te voir? Donc, on le met d'ailleurs de là, voir, tu n'as pas le droit de voir. D'accord. Celui qui voit Benassi, Benatata, mais autre là, un mispoint, voilà le limoud. On a la question qu'on peut se poser sur cette gmara là. En quoi voir le Nassi, c'est un problème? Bishlama, le Keshet, Bishlama, comment on va voir alors les Kohanim. C'est la Shrina. Shomer, Mevin, Aval, le Nassi, Mahabaya. Est-ce que la Kandash Bolour, quelque part, comme il a décidé que lui, c'est le Nassi, quelque part, de son visage, il y a un reflet que tu n'as pas le droit de voir. Ah, ça sort de cette manière là. Qui karan har pene Moshe. Au contraire, donc on voit de là qu'il avait une lumière. C'est-à-dire qu'avant, on peut le voir. Peut-être mistaken, là-bas c'était Roé, Roé et Reia et Staklout. Peut-être ici on parle mistaken. Un regard sérieux. Ah? Ouais, tous les Nissim, tous ceux qui ont. Regardez, tu peux, on dirait, c'est regarder. Voir. Ici, c'est les mots, hein? Mistakel, c'est marqué. D'accord? Un regard profond. Il y a quoi, Youssef? Il a vu de Moudiouk? Non? Quoi? Ah, ok. Venata votre alors. Mais c'est quel Kohanim? Il demande chez Beth Amidash Kayam. D'avka quand celui qui voit les Kohanim, d'avka quand le Beth Amidash il est Kayam, existant. Shayu Amdim al Dochanan, Umbalchim et Israël, Beshem Amforash. Ils étaient sur le podium et ils bénissent le Ham Israël à travers le Shem Amforash. Darash Rabbi Yehuda ben Rabbi Nachmani mitulgamani de Reish Lakish. Encore une darasha de sa part. Ma'ay tirtiv al ta'aminu b'riya. Al tiftichu b'aluf. Il va être ce pasuk-là. Akmara, il va être b'riya comme b'ra. Al ta'aminu b'ra. Im yomar lecha yisrara. Ahto, akadosh baruch hu mohel. Si le yisrara te dit, faute. Akadosh baruch, il va te trouver des excuses, t'inquiète pas. C'est ton père, hein. Il va te trouver des parades. Ouais. Alta Amin, ne le crois pas. Alta Amin Bera. Venra et la Yisera. Donc là, on reprend la drasha. Alta Amin ou Bera. On est de l'Esh Bera à Bera. N'ayez pas confiance au Ra. C'est qui le Ra? C'est le Sera. C'est le Mar qui est l'Ev Adam Ra Amin et Ora. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Donc Ra, c'est le Sera.
Alouf, c'est Hachem, je n'ai mal. Alouf, Neorai, Atta. Neorai, Atta. Neorai. Toi, Hachem, tu es Alouf de ma jeunesse. D'accord ? Et donc, ça veut dire que ne croyez pas le Yessalala quand il va te dire faites confiance en Akadosh Baruch Hu, il va vous protéger. Shimei Thomas, Mimeribi. Si tu dis, mais de toute façon, si je faute, qui va témoigner contre moi ? Répond la Gemara, quatre choses. Première explication, Avne Beto et Korot Beto chez la dame et Mirilimbo. Les poutres de sa maison, les pierres de sa maison, c'est eux qui vont témoigner contre lui. Comme dit le pasuk chez Nehemia, qui est Even Mirkir Tizak, au Rafis Meres Yanen. C'est marqué, lorsque la pierre du mur, elle criera. Et comme des morceaux de bois, ouais, d'une branche, Yanen, elle répondra. Donc, c'est eux qui vont témoigner contre toi. C'est la neshama de l'homme qui va témoigner contre lui. Comme dit le pasuk, Mishikvat Hekaka, celle qui dort dans ton intérieur, dans ta poitrine, Kavirhol, Shemol Pitrepicha, Shemol Pitrepicha, elle garde les portes de ta bouche. En fait, ce pasuk-là, c'est la fin du pasuk de Altamin, vous vous rappelez? Hein? Il est où ce pasuk? Hait. Altamin ou Beria, Altifthou, Béalouf. Ouais, Mishochev et Hekaka, Shemol Pitrepicha. D'accord? C'est la fin de ce pasuk-là. Et toi, avant chez Jochev et Behepo chez la dame, quelle est la chose qui dort, qui se repose dans le rêve de l'homme? Eh bien, Omer Zone Shama. Rabbi Zreka Amash ne malaché à Charet Amlavinoto, en Maïdinbo. On a deux malaché à Charet qui nous accompagnent tout le temps. C'est eux qui vont témoigner contre nous. Ce sont les témoins chez Neymar, comme dit le passo, qui malaché à Isavolach et Shmolcha Bechol de la Checha. C'est malaché, malachim dit Hachem. Et je leur ai ordonné qu'ils te gardent dans tous les chemins. Voyez, Shomrim, comme ça, il faut dire. On a déjà vu là-haut. Voyez, Shomrim, mes paroles, chez la dame, et j'ai embauché Neymar, et t'es ma dame, et ma chaîne. Vous êtes mes témoins en parlant des membres de l'homme. Donc, c'est eux qui seront les témoins de toutes nos actions. D'accord? Neymar, ma chaîne, dièche. C'est bon? Magnitine. Voyez, Yossi, Ben Yoez, et Romer. Bon, ça suffit l'Agada. Là, on a une pause de l'Agada. On va un peu étudier Shaklavetala de la Gemara. Allez, on y va. Dit la Gemara, il y a une dune de smicha. Vous savez, la smicha, quand on amène un korban, il y a une mitzvah d'être sommaire sur la... Comment on fait la smicha? On met ses mains sur la tête de l'animal. D'accord? C'est une dune de smicha. Le Saint-Martin, etc. Non, d'abord, c'est marqué dans tout là. Le Samkhou béni Israël. Et le mot le Samkhou, d'accord? Il y a un dîner de smicha. La question est de savoir est-ce que pendant Yom Tov, on a le droit de faire smicha ou pas? Parce qu'on a un dîner qui nous dit que pendant Yom Tov ou Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un animal. On n'a pas le droit de chevaucher sur l'animal, s'appuyer sur soi a priori aussi, c'est interdit. Anas? Ah? C'est quoi Anas? Utiliser. Pourquoi la Gemara dans le Masoret Bessal dit? Dans la Medva ou là-bas, la Gemara dit pourquoi? La Gemara dit parce que j'ai peur que si tu utilises l'animal, tu vas arracher une branche pour le faire avancer. D'accord? Arracher une branche, une Makra de Oleta, c'est un problème. Mais Smicha, il n'y a pas de faire travail. Et Smicha, il n'y a rien du tout. Tu as posé ses mains sur sa tête. Quand on a interdit de chevaucher l'animal, on a interdit toute utilisation de l'animal. D'accord? Shabbat ou Yom Tov? Très bien. Alors, mais si c'est... Ouais, alors quoi? Très bien. Alors, toi, la force de ta question est la suivante. Toi, tu demandes... Là, je ne comprends pas. Tout ce qui est shvout, bamirdash, shvout, c'est-à-dire isurim qui sont des rabbanan, dans le bétamirdash, on n'en tient pas compte. D'accord?
Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai tout le temps. Il y a toutefois dans le et Elohim, vous pouvez être là-bas, soit il rapporte plusieurs cas dans le chasse, on voit que bien que c'est qu'un problème de chevaux, on a quand même, Hachamim, ils ont quand même interdit dans le Beth que ça. Lesquels oui, lesquels non, c'est une bonne question finalement. Quand est-ce que je dis, quand est-ce que je ne dis pas, c'est une bonne question. Ici, on verra que Smicha, on ne le dira pas. Certains expliquent parce qu'on peut faire la Smicha la veille. La veille, la veille de l'approche. On va le sacrifier aujourd'hui. La veille de Yom Tov, par exemple, on peut faire la Smicha. Il y en a qui disent parce que tu peux faire la Smicha en dehors du Bet HaMikdash. Donc, comme tu peux la faire en dehors du Bet HaMikdash, ce n'est pas quelque chose qui est profondément lié au Bet HaMikdash. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on verra qu'à l'époque, vous savez qu'au niveau des. Dans le. Comment on appelle ça ? Dans le. Parmi les Hafamim, il y avait le poste de Nassi et il y avait le poste du Av Beit Din. Le Nassi, c'est le grand patron. Le Av Beit Din, on va dire, c'est son bras droit. D'accord ? On y va. Mishnah Matnitin. Yossi Ben Yohanan Omer Shelo Lismor. Yosef Ben Yohanan Omer Lismor. Un, le premier, le Nassi, on verra plus tard que chaque fois, le premier qu'on va citer, c'est le Nassi. À la fin de la Mishnah. Yosef ben Yohanan omer, il ne faut pas faire smicha. Yosef ben Yohanan dit, oui, on fait smicha. Yoshua ben Pelahia omer, Yoshua ben Pelahia dit, c'est l'eau l'ismor. Comme le Nassi qui l'a précédé. Yetayal ben Yomer, l'ismor. Comme le Bedin qui l'a. Comme la Bedin qui l'a précédé. Yehuda ben Tabaï Omer, c'est l'olismor. Nassi, l'olismor. Comme le Nassi qui l'a précédé. Shimon ben Shattach Omer, l'ismor. Comme la Bedin qui l'a précédé. Jusque-là, tout va bien. Oh là là, on en a vité là. On a une dépiste. On a une dépiste. Hein? Alors. Shmaria, écoutez, là, ça va changer un petit peu. Shmaria, Omer l'ismor. Là, bien que c'est le Nassi, il a changé des trois Nessim qui l'ont précédé. Il a dit, on fait Smicha Yom Tov. Avtalion, Omer, Shelo l'ismor. Avtalion, il dit, non, on ne fait pas Smicha. Ilel, Umnachem, lo nechlachu. Ilel et Menachem. Ilel, c'était le Nassi. Et Menachem, c'est le Av Beit Din. Il n'y a pas eu de Mahloket. Qu'est-ce qu'il pense? On va voir. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? On verra que les deux pensent l'ismor. D'où je sais la suite. Yassa Menachem. Menachem, il est sorti du poste de Av Beit Din. Nichnas Shamay. Et Shamay, il a pris sa place. Shamay Amar Shelo l'ismor. Et il est l'omer l'ismor. Shamay, il a dit, on ne fait pas smicha. Et il a dit, on fait smicha. Conclut le Tana. Arishonim Ayu Nesim. Chaque fois dans la liste que j'ai citée, 1, 2, 1, 2, 1, 2, chaque couple de Haramim, le premier c'est le Nassi et le deuxième c'est le Av Beit Din. Pourquoi je vais faire cette précision? Je ne sais pas. Tu demandes. Hein? On peut avoir une Afkamina, c'est pas grave. Pour le moment, on regarde dans le sud d'Agmara, ce que l'Agmara m'a dit. Tanou la banane. On y va, Agmara. Tanoura banan, shlosha mizugot arishonim she'amru shelo lismoch, ushnai mizugot acharonim she'amru lismoch, ayu nesim. Ushnim lahem, avot Beit Din. Divrei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, c'est lui l'auteur de la Mishnah. Les trois pères de Hachamim qui ont dit lo lismoch, c'était les Nesim. Et les Nessim et les deux derniers qui ont dit l'ismor, c'est les Nessim. D'accord. Nassi, donc il a dit l'ismor, c'est juste. Si, la Shammai. Ouais, Shammai l'a mis avant lui, très bien. Toi, tu poses la question. Ok, ça sort là-bas. Je vous dis pas tout. Si vous avez la question, je vous dis. Mais... Hachamim omrim, Hachamim diz, Yehuda ben Tabaï Av Beit Din, et Shimon ben Shattach Nafsi Nassi. Dans la Mishnah chez nous, on a dit Yehuda ben Tabaï, c'était dans notre Mishnah nous, et c'est Rabbi Meir.
Yehuda ben Tabaï, c'est lui le Nasi. Shimon ben Shatar, c'est lui le Av Bedin. Chachamim disent non, le contraire. Shimon ben Shatar, c'était lui le Nasi. Ok, on avance. On dit la Gemara Mantana le Aditano la banane. Qui est l'auteur de la braïta suivante? Amar Rabbi Yehuda ben Tabaï. Ere ben Nechama. C'est quoi la kavana de Ere ben Nechama? Rashi dans ma seret Makot, il rapporte depuis Roshi. Un des pirouchim que Marcha il aime beaucoup, donc je rapporte ce pirouche là, bien que ce soit s'ils n'ont pas expliqué comme ça. El Eben Hama veut dire que si ce que je vous dis n'est pas vrai, alors, Hazé Shalom, que mon fils meure et qu'on vienne me consoler pour cela. D'accord, c'est-à-dire pour ce que je vous dis, c'est béton, béton. À l'époque, ils avaient des expressions, ouais, on n'aurait pas osé aujourd'hui. À l'époque, ils parlaient comme ça, mince. J'explique. Petite ardama pour qu'on comprenne ce qu'on va dire maintenant. Il y a un djinn, connaissez Adim Zomin, c'est quoi? Des faux témoins qui ont témoigné. Celui-là, il doit mourir. Celui-là, il doit payer. Celui-là, il doit avoir malkout. Il fait un faux témoignage. Il y a deux autres édimes qui disent, comment vous pouvez témoigner sur lui? Vous étiez avec nous à ce moment-là. Alors, on fera aux édimes d'Omémine ce qu'ils ont voulu faire à un tel. Tuer, si vous voulez le tuer, ils mourront. Maintenant, le point est le suivant. Les Zdoukim pensent que quand est-ce qu'on tue les édimes d'Omémine? Que lorsque finalement, on a tué le bonhomme. Les Haïdim Zomim, ils ont réussi à le tuer par leur témoignage. Alors, quand ils deviennent Zomim, on le tuera. Les Hachamim disent non, le contraire. Si finalement on l'a tué, on ne tuera pas les Haïdim Zomim. C'est uniquement lorsqu'on a été possède le djinn qui doit mourir, mais qu'on n'a pas encore tué, que si à ce moment-là, les Haïdim Zomim deviennent Zomim, on les tuera eux. Point. Il n'y a pas dans la place. Oui, lui, il ne va pas mourir, parce que c'est des Haïdim Zomim. D'accord? Donc, il ne va pas mourir. Donc, lui, il reste vivant, et les deux Haïdim Zomim, on les tue. Oui? Alors, le Yehuda ben Tabaï dit, sachez que moi, j'ai fait quelque chose pour montrer que les deux ils sont torts. On les a rendus à Zomim, après le Psardim, avant qu'on agisse en fonction des propos des Haïdim Zomim, et je l'ai tué. Le Haïd Zomim, je l'ai tué. D'accord, Shimon ben Shatar, il veut lui dire, tu as fait quelque chose de très grave. Pourquoi? Shafar Tadami, pourquoi? Parce qu'un Haïd Zomem, on le punit que lorsque les deux, ils deviennent Zomemim. S'il y a un seul qui est Zomem, on n'applique pas la sentence de Parasitem lo Kacher Zomem. Point. C'est clair? Maintenant, je relis tout ça dans les mots de la Gemara. Et Eben Echamaim lo Arak, Haïd Zomem lo Osim, il est ban Shazukim, Shayomim, en Haïdim Zomim, Yergin, Hatshe Yale Galidon. Amalo Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, il lui a dit la même chose. El Eben Echamaim lo Shafart Adam Napi. Tu as versé du Dam Napi. Non, c'est pas grave. Ce que je te dis, c'est Emet. C'est ça le but. Il sait Emet que j'ai tué quelqu'un. Et l'autre, il sait Emet que tu as fait quelque chose de très grave. Ça veut dire que je perds mon fils, c'est ce que je vous dis, c'est pas vrai. Et c'est vrai ce que je vous dis, j'ai tué quelqu'un. C'est vrai, Kian. Ça, c'est l'autre question, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai tué quelqu'un. Ok? J'ai tué Haïd Zomem, contre Ezoukim. D'accord? En Haïdim Zomim Ergin, dit Rabbi Shimon Ben Shadar, il dit En Haïdim Zomim Ergin, Ah, Tiazum Mouchneem. Jusqu'à ce que les deux, on les rende Zomem. En Lokin, on les rend Hayam Ekout, Ah, Tiazum Mouchneem. En Michelmin Mamon, Ah, Tiazum Mouchneem. Miyad, quand Shimon Ben Shadar, il a dit ses paroles à Yehuda Ben Tabaï, Yehuda ben Tabaï, il l'a pris sur lui. Miyad kibel alav Yehuda ben Tabaï, shen omore alakha ela bifne Shimon ben Shatar. Je n'enseignerai plus aucune alakha sans la présence de Shimon ben Shatar. Donc c'est Shimon ben Shatar qui est... Doucement. Bon, c'est bon. Continuons la breita.
Kol yamav shel Yehuda ben Tabai, hawa mishtateh al kibro shel oto haru. Toute la vie de Yehuda ben Tabai, il allait voir le Kev, le tombeau de ce homme-là qu'il a tué. Il s'effondrait sur lui. Vayat kolo nishmat, et on entendait sa voix. Le peuple croyait que du cimetière sortait la voix de celui qui est mort. Amalaem, Yehuda ben Tabai leur a dit, c'est ma voix que vous entendez en train de crier. Tedro, chez les Maharumet, Ven Kolon Shma. Vous voyez, demain, il va mourir. Ça veut dire, quand il mourra, vous n'allez plus entendre. Quoi, vous n'allez plus entendre? Parce que la voix, elle provient de moi. Donc, si je meurs, il n'y a plus de voix. C'est normal. Lui, c'est pas comme ça qu'on parle. Alors, quoi, il pleure à cause de lui? Il crie, pourquoi? À cause de ce quoi? Pourquoi? Et maintenant qu'il n'est pas là? Alors dit la Gemara, Amal et Rava Habre de Rava et Rava Shin, c'est pas une preuve. Pourquoi? Le fait que lorsqu'il meurt, on n'entend plus la voix, c'est pas une preuve que la voix provient de Yehuda ben Tabai. C'est possible que la voix vient du mort. Et quand il est mort, Yehuda ben Tabai, dans le ciel, ils ont fait la paix, ou bien dans le ciel, il l'a amené en justice. C'est pourquoi on n'entend plus la voix de moi. Fin de l'histoire. Maintenant, la Gemara revient à notre sujet. Mané, qui est l'auteur de cette braïta qu'on vient de voir? Est-ce que c'est Rabbi Meir ou est-ce que c'est Hachamim? Alors, dit la Gemara, Mané, il amra le bishlama Rabbi Meir, yama shima ben shata haf bedjin, Rabbi Yehuda ben Tabai nasi, aïnou tika mori alakha bifne shima ben shata. On a dit, Yehuda ben Tabai, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus mori ora que devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant cette histoire-là, avant cet incident-là, je faisais devant toi et pas devant toi. Devant toi et pas devant toi. Aujourd'hui, que devant toi. Mais avant ça, devant toi et pas devant toi. C'est dit à la Chine. Rashi ayinu deka mori alakha bifne shimon de mi deka mal miyad kibel shmamina de adashta ori befanao. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, avant cet incident-là, jusqu'à aujourd'hui, je pouvais, il y avait Shimon ben Shetar, moi je suis Yehuda ben Tabai, je suis mori olara, minalara. D'accord? Si je dis que c'est le Nassi, je comprends. Même si Shimon ben Shetar est présent, Yehuda ben Tabai, c'est le Nassi, bien sûr. Mais si tu dis que c'est Shimon ben Shetar comme Hachamim, que c'est le Av Bedjin, le Av Bedjin a le droit d'être mori olara devant le Nassi, il n'a pas le droit. Donc, c'est dans l'état, pour lui, c'est Rabbi Meir. Il a répondu, il y a deux hypothèses. Il lui donne un psaq. C'est pas la khale maasé qu'il va faire. Il lui dit c'est écrit dans le Torah. Il lui dit à lui-même. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de kavod. Quand c'est une avéra qui s'est faite, il n'y a pas de kavod. On fait la gomara à l'ouvine. En holakim kavod l'ifne avéra. Il n'y a pas de kavod là. Quand tu vois quelqu'un faire une avéra, même si ton rav est là, tu l'empêches, tu dis à la fin. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'a pas à refaire ça. C'est grave sinon. Donc c'est empêcher de faire une avéra. C'est l'empêcher de faire une avéra. Empêcher, il a déjà fait. Oui, mais pour la prochaine fois.
Ce n'est pas s'appelle Moral Racha. Si l'homme dit ce qu'il y a écrit dans le passage, ça s'appelle Moral Racha. Moral Racha, c'est-à-dire que tu vas trancher un psak à la Khalema Asse. Ça s'appelle Moral Racha. Sinon, ça s'appelle qu'ils sont en train d'étudier. Ils n'ont pas le droit d'étudier ensemble. Mais est-ce qu'ils ont le droit d'étudier ensemble? Moral Racha, ça veut dire je vais trancher un psak. Je vais trancher un psak. Ouais. Alors on y va. Dit la Gemara. Et là, Yamrat Rabbanan, d'Amre Yehuda ben Tabaï Avbedin Shimon ben Shetach, Nasi Avbedin Mishne Nasi Mimore Ola Alakha. Repousse la Gemara. Lo, Maïki Bel, Leolam, c'est Rabbanan. Maïki Bel Allah, de Kaama, l'Istaroufe, de Afilu, l'Istaroufe, Nami, l'homme Istarifna. Qu'est-ce que ça veut dire? Leolam. Yehuda ben Tabaï, c'était à Avbedjim. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Shimon ben Shetach, il a dit, avant, on pouvait faire un Bedjim à trois, si Shimon ben Shetach n'est pas là. On fait un Bedjim à trois. Aujourd'hui, je ne ferai pas un Bedjim que s'il y a Shimon ben Shetach avec moi. On est trois Dayanim, Shimon ben Shetach avec nous. Parce que c'est lui qui va nous régler les... D'accord? L'Olam, je peux te dire que c'est Rabbanan. Et Shimon ben Shetach, c'est le Av Bedjim. C'est le Nazi et Yehuda ben Tabaï, c'est le Av Bedjim. D'accord? Donc ce Baïta, elle peut aller comme Hachamim. Quand il a pris sur lui, qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Que quand on fait un Bedjim, il faut toujours qu'il y ait Shimon ben Shetach avec nous. Sinon, je ne rentre pas dans le Bedjim. Moi, je ne rentre pas dans le budget. Oui, en tout cas, il va nous dire ce qu'il pense. Je ne suis pas sûr que je vais suivre. Soit tu dis, mais je ne suis pas sûr que je vais suivre. Au moins, je vais savoir ce que lui dit, puisque lui, il a des bonnes infos. On avance. Yassa Menachem Nichnas Shamay. La Gemara dit, Menachem, où est-ce qu'il est sorti? Il est Echan Yassa. Pourquoi il a quitté le poste de Avbedjin? Abaye Amar Yassal et Tabutra. Il est sorti, mauvais comportement. Quoi? On ne sait pas. Rava Amar Yassal Avodat Amelech. Il est sorti pour le compte du roi. Quoi? Quel compte du roi? On ne sait pas. Conseiller, pas conseiller, je ne sais pas. Tanya Namiachin Braita qui va dans le même sens que Rava. Yassal Menachem Avodat Amelech. C'est écrit, Menachem est sorti l'Avodat Amelech. Et 80 paires de Talmidim sont sortis avec lui, vêtus de vêtements royaux. Point. Amar Avshiman Baraba Amar Rabbi Yohanan. Le'olam mal te'eshvut kala be'aynecha. Rabbi Yohanan nous dit, attention de croire que shvut, les sourds des rabbanan shvut, eh bien c'est léger à tes yeux. Il ne faut pas que ce soit léger à tes yeux. Pourquoi? Le problème pendant Yom Tov de le faire, c'est Mishum Shvut. D'accord? Et Gdoléador, ils ont été Hokim. Un dit interdit, l'autre dit permis, un interdit, permis. Demande la Gemara, Pshita. C'est quoi Pshita? C'est quoi la question de la Gemara? Qu'est-ce que tu nous as appris, Rabbi Yohanan? C'est marqué dans ma Seret Bessa que Shvut, c'est interdit. C'est normal que je comprenne. Oui. Je suis en bas. C'est normal que je comprenne que c'est interdit, que ce n'est pas léger, si le Tanaï l'a dit. Comme ça, on dirait qu'on doit expliquer la question d'Agmala. Et pour l'Agmala, non. Shvut miswa istrikhale. Ce que je voulais te dire, moi, shvut, tu empêches de faire une miswa à travers un shvut. Même ça, c'est enseigné dans la Mishnah. Smicha, c'est un djinn, c'est une miswa. Et quand même, on t'a interdit de la faire. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. D'accord. Dit la Gemara, Hanami Pshita. Répond la Gemara, la pouk et meman de Amar, bismicha goufa plégué, ka mash malan, bishvoto de plégué. Point. Quel est le hidou, j'ai vu au Hanan? Le Hidouj de Rabbi Yohanan suivant. Toi, tu aurais cru que la mahlok des Tanaïm dans la Mishnah, il dit on fait, on ne fait pas.
Celui qui dit on ne fait pas, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a pas de smicha que dans Rashi rapport, il n'y a pas de smicha. Que dans Shalmei Nedava. Mais dans Hova, il n'y a pas de smicha. Donc quand tu es en train de dire que tu ne fais pas smicha, ce n'est pas mitam jvout. Ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est mitam. C'est un korban qui n'exige pas de smicha. Et l'autre dit, oui, ça exige smicha. Et Rabbi Yochanan, ce n'est pas ça la raison. Tout le monde est d'accord qu'on exige smicha. Seulement celui qui ne la fait pas, parce que shvout t'en empêche. Point. Voilà le but de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Point. On continue. Amar Rami Barhama, Shma Mina, Smicha Bechol Kocho Ba'inan. De Rabbi Yochanan, j'apprends. Finalement, tu m'as dit que la raison pourquoi on ne fait pas Smicha, celui qui pense qu'on ne fait pas Smicha, parce que j'utilise la bête. Alors, ça veut dire que quand tu fais Smicha, tu mets sur la tête de l'animal tout ton poids. Ah, ouais, parce que si juste tu poses tes mains comme ça sur la tête d'animal, ça ne s'appelle pas que je suis en train d'utiliser l'animal comme si je chevauche. Donc, quel est le problème de celui qui est interdit? Pourquoi l'interdit se permet? Donc, dit l'Agmara, a priori, Amar Ami Barhama, j'apprends de Rabbi Yochanan, Smicha, Bechol Kocho Ba'inan, Dis Al-Kadatar le Ba'inan, Bechol Kocho, Maïka Avid, Lismor, alors qu'il fasse Smicha, ma Baya, pourquoi le Tanaïm l'interdit? Pourquoi il y a un Tana qui m'interdit? Très bien. Dit l'Agmara, j'ai une question contre toi. Métivé. Métivé, Dabel El Bene Israël, le Samar. Dabel El Bene Israël, c'est marqué dans le Passouk. D'Abel et Ben Israël, et un peu plus tard, il y a un autre passage qui s'est marqué où est Samar, qui fait la smicha. Israël somchim, Ben Israël somchim, ve'en benot Israël somchot. Ben Israël somchim, ve'en benot Israël somchot. Très bien. Ça, c'est ce que dit Tanakama. Tanakama, donc, il pense que les benot Israël n'ont pas à faire smicha. Les femmes, quand elles rapportent un korban qui est le leur, parce que la smicha, c'est bébé Alim, il n'y a pas à faire la smicha. Rabbi aussi, Rabbi Ishmael, c'est bien de dire Rabbi Shimon. Omri, benot Israël somchot reshut. Si les femmes elles veulent faire smicha, elles peuvent le faire. Amar Rabbi aussi, il rapporte une histoire, Rabbi aussi. Sahli Abba El Azar, Abba El Azar, il m'a rapporté l'histoire suivante. Pas mahat, ayalanu aigel chez Zifre Shlamim. On avait un veau qui était un korban Shlamim. On l'a amené devant mesdames pour qu'elles fassent la smicha. L'homme peut naître smicha banashim. Pas parce que la smicha, ouais, les femmes doivent faire smicha. Et la kedé la asot na hatruach la nashim. C'est uniquement pour leur faire plaisir. Oui, ça kadat ar smicha bechol kocho ba'inan. L'agmara demande. Alors attends une seconde. Toi, le hakam d'avant, Rami Barhama, tu as été médé avec des paroles de Rabbi Yochanan que la smicha est bechol goufo. Comment tu peux comprendre l'enseignement de Rabbi aussi? Les femmes, elles peuvent faire si elles veulent smicha. Alors, pour leur faire un kiff, elles vont faire une avera. Sachez qu'on n'a pas le droit d'utiliser un korban. Quand tu fais une smicha, alors que la Torah ne t'a pas obligé, donc tu es en train, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'utiliser l'animal, mais tu n'as pas le droit. S'il n'y a aucun dégât collatéral, il y a quand même fait bonus. Mais là, il y a des dégâts. Tu vas utiliser un korban. Donc, biche la main, si tu dis que ta main, tu survoles, la main survole, il y a. Et si tu dis, bechol koho, esmicha, c'est bechol koho, il y a un problème. Voilà la couchée contre Rami Barhama. Et là, là où je m'amène à l'obarine, le bechol koho. N'est-ce pas que on n'a pas besoin de smicha bechol kocho? Répond la Gemara. L'alam est malécha ba'inan bechol kocho. L'alam, je te dirais que pour un homme, j'ai besoin de bechol kocho. D'accord? Mais aux femmes, on ne leur dira pas de faire smicha bechol kocho. Comme tu as dit, à elles, on dira uniquement
survole avec tes mains, pose légèrement tes mains sur l'animal. D'accord ? Des amri dans les roues, on leur dira aux dames, dans l'histoire, akfou yadairou. Alors, chaque fois qu'on rachit, on voit akfou, rachit rapporte le mekor kafa barzela. D'accord ? Le kafa barzela. Voya sefa barzela. Donc, ça veut dire survoler. D'accord ? Mettez vos mains comme ça de manière légère. Voilà ce qu'on demande aux femmes. Mais leur lame, si c'est un homme, il faut tout ton poids. C'est sûr. Dit la Gemara, ta réponse, elle ne me convient pas. Tu sais pourquoi ? Yahi, l'homme, il peine chez Smicha Banashim. C'est pour clé, des haines à l'Smicha Klal. Alors, je ne comprends pas le Tana en haut quand il a dit on a amené la BMA dans les Asnashim pour que les femmes, elles font la Smicha. Pas parce pour que tu crois que la Smicha, les femmes, elles ont un devoir de faire Smicha. Mais ce n'est même pas une smicha qu'ils ont faite. Pourquoi tu ne dis pas pour que tu crois que les femmes elles ont un devoir de faire smicha? Mais ce n'est même pas une smicha. Tu n'avais qu'à dire parce que ce n'est pas une smicha qu'elles font. Parce que juste, elles mettent leurs mains sur l'animal, elles ne s'appuient pas sur l'animal. Ça, la prochaine agmara. Emma, pardon. Tipoukle, déna les smicha klal. C'est ça ce que tu aurais dû dire. Amar abiyami hada ve'ot kama. Hada de l'étalismicha klal. Premièrement, en fait, le Tana, quand il a donné l'argument que l'homme mipene chez smicha benashim, c'était un deuxième argument. D'accord ? Le premier argument, c'était de dire comme les femmes elles vont mettre leurs mains de manière volatile, c'est même pas une smicha. D'accord ? Hada de l'étalismicha klal. Et pourquoi on leur fait même la smicha légère, là, comme ça ? Kedé la sot nahat ruah la nashi. D'accord? Pour les aménager, quoi. Ah? Pour les aménager. Quand on m'a demandé à mettre. Pourquoi aménager? Pour faire plaisir. Tu as du mal, le mot, à faire plaisir. Alors. Habituellement, il faut le ménage. Là, on les aménage. Ok. Alors, on finit la dernière ligne, comme c'est encore lié. Amar papa, shma mina tzadim asurim. Dis al kadatak tzadim mutarim. Lismor. Et là, shma mina tzadim asurim. De Rabbi Yochanan, encore une fois. On nous a dit que c'est interdit de mettre la main sur l'animal. Ouais, celui qui est interdit de faire la smira, c'est parce qu'un problème de joute. Yag mara, l'interdit dans l'animal, bémet, c'est quoi a priori? C'est de chevaucher. Utiliser le gave de l'animal, le dos de l'animal. Quel est le dîner? Est-ce que je peux utiliser les flancs de l'animal? Dans les flancs, je fais toboggan, vous voyez, le petit enfant qui prend, il descend, hop, pour l'amuser, ouais. Ça me rapporte dans le Shabbat. Oui, je peux ou pas? On appelle ça Zdadin. Eh bien, j'apprends, dit Rav Papa, de Rabbi Yochanan, que même Zdadin, c'est un sourine. Pourquoi? Parce que la tête, ce n'est pas le dos de l'animal. Et comme c'est aussi interdit, celui qui est interdit, ça veut dire que. Que ce n'est pas uniquement que le gav il est interdit, à Philos Dadin c'est interdit. Voilà ce qu'il met derrière de Rabbi Yochanan. Et là, où je suis en menace, Dadin m'a souri. Et c'est le marloc de l'agma, enfin l'agma discute dans ma Maseret Shabbat à la fin, sur ce réunion-là. Ravashi Amar, Afilotema, Zadin Moutarin. Ravashi dit tu n'as pas de preuve. Ce soir, tu dis ce n'est pas que je n'ai pas de preuve et je ne suis pas d'accord avec leur papa. Je suis d'accord avec leur papa, mais tu n'as pas de preuve d'ici. Comme ça. Ah, il ramène une preuve de matériel Shabbat. Ravashi Amar Afilo Temaz Zadin Mutarin. Kode Behade Gaba Ke Gaba Damin. Tout ce qui est à la même hauteur que le dos, d'accord, le mouton, vous voyez, la tête du mouton ou du veau, c'est à peu près la même chose que la tête et le dos, c'est à peu près la même hauteur, n'est-ce pas? Et dit tout ça, ça s'appelle. Gava behema. C'est la raison pour laquelle ça. Et d'ailleurs, là, c'est dit que c'est mouta. Je peux te dire. Baruch Adonai, et d'ailleurs, là. Amen. Amen. La vie, elle est en train de se faire. 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 Elle est en train de se faire.